Heureuse de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Léo Ndjoléo. Débutons cette session d'information au Palais du Peuple où le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a été reçu en audience ce mardi 20 avril 2021 par Christophe Mbosokoudia, speaker de la Chambre basse du Parlement. Le Premier ministre est venu déposer les programmes d'action de son gouvernement au sorti de l'audience. Jean-Michel Samalou Kondé Kiengé s'est donné aux jeux de questions-réponses avec le professionnel de médias, signalant par ailleurs qu'il était accompagné de 4 vice-premiers ministres de son gouvernement, à savoir Christophe Lutundula, Axel Okito, Jean-Pierre Liaou ainsi que Eve Bazaïba. Suivez à présent le Premier ministre. Nous sommes venus nous acquitter d'un devoir traditionnel, comme tout le monde l'a suivi, après la publication du gouvernement. Ici, c'est une autre étape importante, celle du dépôt officiel du programme d'action du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Nous avons été bien reçus par le président de l'Assemblée nationale et nous avons dit que nous restons à sa disposition pour que l'équipe gouvernementale puisse venir se présenter à l'Assemblée selon le calendrier qui sera fixé, de sorte que nous puissions présenter officiellement le contenu de ce programme du gouvernement qui va être fait à la primeur des honorables députés. Donc, et à travers eux, toute la nation. Donc, nous sommes contents d'être arrivés à cette étape et nous attendons le moment venu de revenir et nous mettre finalement au travail pour répondre aux besoins de la nation et de la République. Je venais déjà de le dire, nous réservons la parole aux honorables députés. Nous avons tenu compte de tous les aspects de la vie nationale de la République démocratique. Restons toujours dans ces chapitres. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondé s'est réchauffé imprévu devant l'Assemblée nationale le jeudi 22 avril 2021 pour présenter le programme d'action de son gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Une attente aura été trouvée avec le député de l'Union sacrée ayant manifesté un certain mécontentement après la publication de l'équipe gouvernementale. Ces groupes de députés estimaient que la nouvelle équipe gouvernementale serait loin d'être inclusive suivant le schéma initialement convenu au lendemain de la déchéance du bureau Mabunda à l'Assemblée nationale. D'autres députés, par contre, exigeraient à défaut un poste ministériel, une bonne somme d'argent ou encore un poste de mandataire selon certaines sources. Toujours à la chambre basse du Parlement, initialement prévu ce mardi 20 avril 2021, le débat général sur la réforme de la loi électorale est reporté d'après le rapporteur de l'Assemblée nationale. Les raisons de ces reports sont purement techniques. Actuellement, la chambre basse du Parlement se prépare à auditionner les programmes du gouvernement Samalou Kondé. Changeons de chapitre, parlant de la Cour constitutionnelle, la juge Dieudonné Kaloubi Dibois a été élue par ses pairs en qualité de président de la Cour constitutionnelle. Au total, 4 candidats ont concouru pour briguer la présidence de la Cour constitutionnelle. Cette élection a eu lieu ce mardi 20 avril 2021 au siège de cette institution dans la commune de La Gombe. Quittons Kinshasa, direction le sud Kivu, où le gouverneur de la province du sud Kivu, Théodore Gwabichi, débute ce mercredi 21 avril 2021 une série de consultations avec toute la couche sociale de la province. Ils iront jusqu'au vendredi prochain comme objectif de définir un plan de consolidation de la paix et le développement de la province. Parlant politique, dans cette édition, l'UNC lance la nouvelle carte biométrique pour ses membres. Le go a été donné hier lundi 19 avril par le secrétaire général AI de ce parti, l'honorable Aimé Bojisakara. Il a lui-même supervisé l'opération d'impression
de la première carte qui porte le numéro 001 est attribuée au président national Vital Kamerhe Ouattara. Et enfin, une dizaine de blessés ont été enregistrés lors des échauffourées qui ont opposé lundi 19 avril dans la matinée les policiers et les habitants du quartier Toyota Ali Kassi. Avant que le calme ne soit rétabli, certains habitants se sont affrontés aux policiers pour protester contre l'insécurité dans ce milieu rural. Et enfin, pour clôturer cette édition, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, a appris avec consternation le décès de son homologue et frère, le maréchal Idriss Déby, président de la République Tchad. Ces décès survenus ce mardi 20 avril lors d'opérations militaires opposant les forces armées tchadiennes à des forces rebelles est une grande perte pour le Tchad et pour l'Afrique entière, écrit la présidence de la RDC dans un Twitter au nom du peuple congolais et africain. Poursuit les tweets, le président de la RDC adresse au gouvernement de la République du Tchad, à son peuple ainsi qu'à sa famille biologique le message de condoléances. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.